Alléluia. Je veux qu'on bénisse le Seigneur. Je veux qu'on lui dise merci pour ce temps merveilleux que nous passons à sa présence. Bénissons le Seigneur. La remarque que j'ai faite, c'est que notre Seigneur, il aimait dire, Père, je te remercie. Père, je te remercie. Devant la tombe de Lazare, il a remercié Dieu. Avant de demander quoi que ce soit, il a dit, Père, je te remercie. Parce que tu m'exauces toujours. Remercie-le avant de lui demander quoi que ce soit. Je te donne mon cœur. Alléluia. L'homme sakabaya na la. Tu es Dieu. Donc dis-lui merci. De tout. Son oreille t'entend. Même si les mains se déchaînent. Tu parles. Tu les gardes. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Je lève la main. Je lève la main vers le ciel. Je te donne parce que tu opères les miracles. Père, je te remercie parce que tu pardonnes les péchés. Tu es Dieu. Père, je te remercie parce que tu m'accordes ton salut. Même si les mains. Père, je te remercie parce que tu m'accordes ta miséricorde. Merci. Tu parlais, tu l'égales. Merci. Tu es mon oh, alléluia, repos. Seigneur. Tu es haut, mon repos. Tu es mon repos. L'oros. Tu es mon repos. Vous voyez, en ce petit matin, nous voyons sa rosée descendre. Nous voyons ces gouttes de lait tomber sur nous. Ce vent frais nous frapper. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Nous adorons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Loro shakalamaya nasana. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de joie. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole qui le dit. Père de l'Éternel, tes délices, et tu donneras ce que ton cœur désire. Alléluia. Si ton cœur désire de l'or, tu te donneras l'or. Si ton cœur désire une vie confortable, tu te donneras une vie confortable. Si ton cœur désire une plantation de manioc, il te donnera. Je ne dis pas ça pour rire, mais Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Nous adorons un Dieu qui est vivant. Nous adorons un Dieu qui est présent. J'ai été témoin un jour, il y a longtemps de cela. J'étais allé à la croisade de Taylor Osborne. J'étais avec un grand frère.
l'apôtre, le patriarche Oudraogo Germain, on était tous deux arrêtés. C'était à l'espace œuvre mission, le grand terrain. Vous voyez, quelque chose m'a marqué chez Osborne. Quand nous prêchions, africains que nous sommes, nous prêchons avec force, nous prêchons avec autorité. Mon ami, le Seigneur te dit que tu seras béni. Le Seigneur est un Dieu de miracles. Le Seigneur a dit que lorsque le Seigneur est merveilleux, crois et tu vas. Mais ce jour-là, j'ai vu Osborne. Taylor Osborne. Et il a pris sa prédication, c'était comme un discours sur une feuille. Et il est arrêté calmement. Il avait porté un habit comme pour les dozos là, maliens là, un truc qu'on met dessus, sur un truc simple. Et il lisait son message. La parole de Dieu dit, et puis on traduit. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. La puissance de Dieu est réelle. Dieu nous aime. Alléluia. Les gens disent amen. Il a parlé calmement, tranquillement. En fait, quand je me suis converti, je voyais les gens prêcher avec autorité. C'est la première fois que je vois quelqu'un prêcher tout calmement. Donc pour moi, il a fait des prêcher calmement, tranquillement. Bon, il va s'asseoir tranquillement et il ne va rien se passer tranquillement. Gloire au Seigneur. Mais c'est mal connaître Taylor Els Osborne. Quand il a fini de lire, c'est pas comme quelqu'un qui prêche, il quitte la chair, hein? Mais il a lu jusqu'à la fin. Et il n'a même pas duré à peine 30 minutes. Quand il a fini, il a dit amen, je vais prier pour vous. Bon, je m'attendais aussi à une prière comme on le voit en Afrique. Non, j'ai vu une prière simple. Seigneur Dieu, bénis tes enfants, guéris les malades, guéris les aveugles, les paralytiques, au nom de Jésus, amen. Ah, dans mon cœur, mais une prière simple comme ça. Frères et sœurs, quand il a fini cette prière simple, voici la phrase qui a suivi et qui m'a marqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un message simple, une prière simple. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous ceux qui sont guéris, que tous ceux qui sont guéris se lèvent au nom de Jésus avec les cannes, avec le brancard, avec le fauteuil roulant, que les aveugles viennent devant, que les sourds viennent devant. Non, il parlait doucement. Quelques secondes, frères, sœurs, les gens sont venus en grand nombre, les béquilles en l'air, les fauteuils roulants en l'air. Ils ont envahi le podium. Il dit, mais attends, affaire de Dieu là, donc c'est pas la force, hein? Une chose m'a marqué chez le prophète Osborne, chez l'homme de Dieu. C'est qu'il avait la foi. La différence se trouve dans la foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Osborne, quand j'ai vu dans son regard, dans la foule, j'ai vu son regard, j'ai senti un homme qui était sûr et certain qu'on monte, on descend, il y aura miracle. Il était phagocyté
Il était en osmose avec la parole. La parole et lui ont fusionné. Il croyait en chaque lettre. Il croyait en chaque mot. Le doute était exclu. Parce qu'il sait en qui il croyait. Il sait en qui il a cru. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais Marcelin, révérend, mais il paraît qu'avant tu faisais beaucoup de miracles, hein? Mais pourquoi tu ne fais plus beaucoup de miracles? Je lui ai dit, mais tu te trompes. Ma vie est un miracle. Alléluia. La dernière fois, j'étais assis et j'ai vu une dame qui toussait. Elle boit l'eau, elle tousse. Elle boit l'eau, elle tousse. Je l'ai appelée calmement. Elle dit, viens. Elle pensait que c'était un jeu. Je lui ai imposé les mains. Elle dit, au nom de Jésus, esprit de tout, sors de ce corps, au nom de Jésus. Amen. Ça fait même pas 2 semaines. Hein. On est là 1 heure, 2 heures. J'entends plus de tout. Jusqu'à aujourd'hui, là, tout est parti. Amen. Parce que quand je priais à l'instant là, je croyais à 100% que la toux là allait partir. Que la toux là n'était pas normale. Ce n'est pas une tour où l'autre passe de travers, mais elle était satanique. Et la puissance de Dieu déloge la puissance des ténèbres. Alléluia. Dis amen pour que j'avance. Dis amen pour que je continue. Nous devons avoir la foi. Nous devons marcher par la foi. On ne peut rien obtenir de Dieu sans la foi. Nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Moi, j'ai connu un pasteur. Permettez-moi de continuer comme j'ai commencé. Il s'appelle... c'est le pasteur principal de l'église de la destinée, Georges Amboako. Je suis l'un des rares personnes qui l'a envoyé chez lui à la maison. Je connais sa femme. C'est son enfant quand il était petit. On partait dans le chez le même coiffeur. Il m'aimait bien, Georges Amboako. Vous savez, Georges Amboako, au début de son ministère, il dit, quand il prêchait comme tout le monde. Wouyou, 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 wouyou. Quand sa voix s'en va à la fin. Un jour, il allait en Corée du Sud et il a vu un jeune pasteur qui prêchait comme Osborne, calmement. Mais ce jeune pasteur-là, son église est immense. C'est-à-dire que c'est comme un terrain de football. Immense. Il n'y a pas de bousculade. Il n'y a pas de tapage. Il donnait un enseignement calme, mais avec beaucoup de foi et de puissance. Vous savez, la puissance ne réside pas dans le décibel. Mon anglais. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le décibel, c'est le niveau de la voix. Ce n'est pas ce qui permet d'opérer un miracle ou de chasser un démon. L'autorité, même qu'on dit autorité,
ce n'est pas une voix. Hey, sors! Non! Esprit démoniaque, je t'ordonne au nom de Jésus, va. Wallahi, comme on le dit, c'est un seul qui écrit là-bas. Mais nous, on le dit au nom de Jésus. L'esprit va partir. Parce que tu parles avec beaucoup de foi et d'autorité. L'autorité, ce n'est pas le cri. Alléluia. Est-ce que vous entendez ce que je parle? Dans nos vies, dans nos prières de tous les jours, apprenons à vivre notre prière. Apprenons à ressentir notre prière. Soit même il y a des prières que tu fais, toi-même, excepté le parler en langue. Il y a des prières que tu pries, toi-même, tu ne sais même pas ce que. Alors que tu pries dans le vide. Comprends ta prière. Seigneur Jésus, vraiment, en toute sincérité, je veux que tu me donnes ce mois 450 000 francs. Parce que je veux payer telle chose qui coûte 50 000. Je veux payer telle chose qui fait 200 000 et l'autre 200 000. Au nom de Jésus, amen. Mais tu bombardes des prières comme ça. Seigneur, je veux 1 milliard d'ici demain matin. Seigneur, je veux. Et quand tu le dis, toi-même, tu ne crois pas. Comment est-ce que cela va se réaliser? Seigneur, je veux une voiture dès demain, mais tu ne crois pas. Moi, j'ai prié. J'ai ma petite voiture, ma Ford, qui avait une petite panne. Le climatiseur déconnait. Donc, j'ai appelé le jeune qui fait le climatiseur et il est venu. Mais en venant, il a envoyé une autre voiture. Et quand il a envoyé une autre voiture, quand j'ai regardé, la voiture m'a plu. Je suis allé, il a ouvert la portière, j'ai regardé. Il a dit, la voiture là, moi je veux. Il dit, bon, il dit oui. Modèle comme ça là, moi je veux. Ça fait même pas un mois. Je suis monté à l'escalier dans ma chambre. Dis Seigneur, vois-tu là? Moi je veux. Au nom de Jésus, amen. Tout à l'heure, la chale a acheté la voiture. Là. Tranquillement et calmement. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Mais souvent, quand on veut des choses, c'est ce que je disais avant-hier lors d'une prédication. Beaucoup n'ont pas compris. Quand Dieu a donné la révélation à Joseph qui sera élevé, ses frères ont été jaloux, ils l'ont détesté. Et j'ai dit aussi que même nous, une personne, quand tu va vers ta bénédiction et que tu sens que tu vas vers ta bénédiction, non seulement les hommes te font obstacle, mais toi-même, ta personne peut faire obstacle sans que tu ne sentes. Pas ta pensée qui te limite, pas tes doutes qui te bloquent. Parce que tu penses que c'est toi qui le fais et tu oublies que tu marches avec un Dieu qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. La foi est une ferme assurance. Elle est ferme. Quelque chose qui est ferme. On dit quelque chose qui est ferme. Vous qui êtes allé à l'école, comme le professeur de sciences éco, l'apôtre Paul Omer, qui a écrit des livres. Quelque chose qui est ferme. On dit c'est ferme. Dans ferme, on entend même le verbe fermer. On entend quelque chose qui est solide, qui est consolidé. Quelque chose qu'on ne peut pas démolir. Quelque chose qu'on ne peut pas casser. Une ferme assurance. Ton assurance là, on ne peut pas casser ça.
Si encore tu crois là, on peut même pas te dissuader un instant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vous ai raconté une fois ici, à une veille des années passées, où on était allé à Mabloa, à Gagnoa, à une veille, à une croisade. Il y avait du monde. Et je priais pour les gens, je priais. Et puis il y avait une fille qui avait l'esprit des eaux. Je voulais prier pour elle. Elle m'a dit, pasteur, les petits, parce que devant, il y avait un petit sourd-muet. Elle dit, il faut prier pour le sourd-muet s'il parle là. T'as déjà prié pour moi. Elle voulait me tenter. Elle voulait tenter Dieu. Alléluia. Et vous savez, la foi est une ferme assurance aux choses dans lesquelles on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Sur place, je ne vais pas prier pour l'enfant. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Sur place, il va prier pour l'enfant. Parce que c'est la fille qui m'a demandé de prier pour l'enfant. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de... Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit de prier pour l'enfant? Et c'est comme ça qu'on l'a eu sous. Sur place, il n'est pas fait. Le soir, je suis rentré là où on nous a logé. En train de manger une sauce graine, il me rappelle sauce graine d'une femme bêtée qui nous a envoyé. J'ai mangé ma sauce graine. Et la mère de l'enfant est venue avec l'enfant, son fils. En train de manger ma sauce graine. Hein? Et puis, elle dit, homme de Dieu, aie pitié, prie pour mon enfant. Il est sourd et muet. Je veux qu'il parle. Et c'est là que Dieu va me parler à moi. Il m'a dit, mets tes doigts dans son oreille. Et invoque mon nom. Et puis retire tes doigts. J'ai entendu la parole de Dieu. Dieu m'a parlé. C'est pas la fille là qui a me dit de prier pour l'enfant. Donc souvent on est sous, lorsqu'on écoute autre que la parole de Dieu, autre chose que la parole de Dieu. On est sous, lorsqu'on écoute nous-mêmes notre propre cœur, notre pensée, n'est-ce pas, Monsieur Prince? On est sous, lorsqu'on écoute les hommes. Mais quand on écoute Dieu, c'est là que la victoire apparaît. Donc quand il y a cette voix-là, que met tes doigts dans l'oreille de l'enfant, mes frères et sœurs, j'ai pris mes deux doigts et puis j'ai enfoncé. Ça veut dire que ça pouvait percer son oreille, ça allait percer. J'ai enfoncé et j'ai dit au nom de Jésus, oreille soit débouchée. Et puis j'ai enlevé ma main. Et puis elle fait un pas en arrière. Elle dit, madame, comment on appelle ton enfant? Elle a dit, mon enfant s'appelle Ngouan. Elle dit, appelle-le. Qu'elle a dit Ngouan, l'enfant dit, hein? Faut dire alléluia. L'enfant dit alléluia. J'étais avec le pasteur Boiseau. J'étais avec le pasteur. Le docteur, il est maintenant à, il a créé une école pastorale, on appelle Winner Life, quelque chose. Il est devenu très populaire. Mais le jour où on est parti, lui, il ne prêchait pas. Hein. Ouais, Living Water, quelque chose comme ça. Voilà. Il ne prêchait pas. C'est moi qui prêchais avec le pasteur Boiseau. Et j'étais un office spirituel. Le miracle s'est opéré. L'enfant a parlé. Et ça a pris tout le village. Le pasteur Boiseau est venu. Il dit, mais ouais, évangéliste. On dit, non, il est dans la chambre. Il m'a toujours dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant parle. Ah, gloire à Dieu, alléluia. J'ai écouté la voix du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'écoutent pas la voix du Seigneur. Ils écoutent eux-mêmes leur propre voix, leur propre cœur. Et c'est là que l'échec vient.
écoutons la voix de Dieu et nous ferons les grandes choses. C'est vrai qu'il y a l'adversité. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais cela fait partie de notre chemin. Je vais lire un passage dans le psaume 23. Le psaume 23. Le verset 5. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Alléluia. La Bible dit ceci. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, continue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Amen. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Point virgule, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Voyez, là, le psalmiste parle de l'adversité, c'est-à-dire l'adversaire. Souvent, on se plaint, j'ai des adversaires. Dans ma famille, il y a des sorciers. Souvent, on mène des combats inutiles, des combats futiles. C'est-à-dire, on a peur. Le chrétien a peur d'un sorcier. Le chrétien a peur d'aller au village. Le chrétien a peur de s'asseoir sur un banc qu'un sorcier. Ah! Entre les deux, qui doit avoir peur de son ami? Non, soyons sincères. Non, ils vont m'envoûter. Entre chrétien et sorcier, qui doit envoûter son camarade? Qui est le plus puissant? Alléluia. Alléluia. Hey! J'habitais à Belleville. Et il y avait un féticheur derrière ma maison. Non, un marabout. J'écris au micro, un marabout. Il habitait dans une cabane, là où j'habitais. Et le gars était contre moi. Contre mes prières. Mais je priais. Il gâtait mon nom. Faux pasteur, faux ceci. Je ne disais rien. Je continuais à prier. Un matin, je partais et vaguais à mes occupations. Et puis je suis allé au goudron prendre un taxi pour aller en ville. J'étais au bord du goudron comme ça. Je vois une moto qui vient en plein. Et il a freiné, frein n'a pas pris. Il a cogné un taxi, boum, il est tombé. Devant moi, hein? Devant moi, il est tombé. Il ne savait pas que j'étais le féticheur du quartier. Bon, j'ai vu la scène. Quand il est tombé, je vois que le gars ne peut pas s'élever. Dans mon cœur, j'étais pressé aussi. Il y avait du monde. Je dis, mais pourquoi le gars ne peut pas s'élever? Mais il est tombé, il doit s'élever. Mais il ne peut pas. Les gens sont venus le soulever. Il ne peut pas s'élever. Il dit bon. J'ai pris ma route, je suis parti. Il y avait du monde. Je rentre la nuit. On me dit, ah, le féticheur qui habite derrière là, sa moto a cogné un taxi. Et quand il est tombé, on dit il est mort sur place. Donc mon ennemi là, il est mort devant moi. Féticheur là, où les gens s'en vont prendre fétiche. C'est un pasteur, faux pasteur là, s'en vont prendre fétiche là. Il est mort devant moi. Vous savez, nous on sait où on est quitté. Apôtre Lambert, on sait où on est quitté. Nous on est quitté dans jeûne et prière. On est quitté dans jeûne et prière. Sur le toit de la maison de mon père, Omer, je grimpe sur le toit, je descends le soir. Et quand je grimpe, c'est la Bible, je m'en vais lire. Et je ne mange pas. On sait où on est quitté. Ceux qui ne savent pas où ils sont quittés, c'est eux qui ont peur des sorciers. Un chrétien ne peut pas avoir peur d'un sorcier. Oh, sorcier, sorcière.
Il voit Kafa dans la maison. Oh, sorcier, sorcier. Il voit Salama. Oh, sorcier, tu es vaincu. Les pauvres animaux là, ils sont devenus des sorciers. J'ai une caniche, c'est souvent ma caniche là. Il y a une profiteur qui coupe. Ma caniche, oh, sorcier, t'es un esprit, sorcier. Caniche. Ah, quand même. Un chrétien doit avoir peur. La peur là, c'est tes ennemis. J'ai vu un film, je parle doucement, après on va prier. À quoi sert-il de crier? Alléluia. J'ai vu un film et dans ce film là, les soldats étaient dans l'avion. Ils partaient en guerre, c'était des parachutistes. Et il y avait un qui partageait les quatre à chacun pour voir le sort. Et arrivé sur le brave, la carte que le brave a reçue, et regarde, c'est la carte de la mort. Et puis lui qui a partagé la carte dit, ah mon frère, c'est la mort, tu vas mourir. Le brave lui a dit, non, tu te trompes. C'est pas ma mort, c'est la mort de mes ennemis. Le chrétien ne doit pas avoir peur. Avant que les pasteurs ne commencent à faire, enfin quand il dit pasteur en griffe, les révélations, tu t'appelles Kofi, ton numéro de téléphone est tant, 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 ta tante s'appelle tant, et la goïta fla, ton papa à Genoula, ton oncle est tant, 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 et la porte à vert, à jaune. Ça c'est l'esprit de médium, là. On appelle ça la médiumnité. Il y a l'esprit de mort qu'ils invoquent. Il y avait une femme. Une femme, ce n'est pas une chrétienne. Hein? Mais, cette femme-là, quand elle te voit, ça veut dire qu'elle connaît ton nom d'enfance. Elle connaît comment ta mère t'appelait. Elle connaît comment tes parents étaient. Comment... Ça veut dire que c'est les esprits de divination. Et pour être tellement développé. Et on était assis là, et mon ami et moi, on savait qui était cette femme. Et puis, quand elle est arrivée, elle a commencé à partager des bonbons. Mais beaucoup ont eu peur de prendre ces bonbons parce qu'on sait qu'elle est mystique. Et mon ami, il a pris ce bonbon, il a mangé. Et puis, il a demandé à la femme, t'as pas encore d'autres bonbons là-bas? Elle dit oui. Elle dit non, moi. Il a mangé. Pour jamais avoir peur de lui. Si on a réellement la foi, nous devons démonter notre foi. C'est une ferme assurance et une démonstration. Mais un homme qui a peur, c'est quelle démonstration? Non, s'il va au village, ils vont me manger. Quoi? Tu es converti? Quand j'étais au lycée, on a fait l'école ensemble. Quand j'étais au lycée, j'étais chez mon tuteur. Et dans la cour, j'observais une scène. J'avais le frère de mon tuteur qui fumait. Quand il fume, il jette les mégots. Et pendant ce temps, il y avait des cafards aussi qui passaient. Donc, il y avait les magouillas. Et les magouillas, ils aiment manger les cafards. Donc, le magouilla, il sèche les cafards. Et puis, ils avalent un coup, vla, vla. Et puis, dans le même temps qu'il avalait les cafards, le frère de mon tuteur a jeté son mégot de cigarette. Le magouilla a confondu mégot avec cafard. Il allait l'avaler, mégot de cigarette. Et quand il a avalé, il a craché en même temps. Ça m'a donné un enseignement. Allez, c'est pas tout le monde qui est censé peut avaler. Parce que toi, il y a le feu de Dieu en toi. C'est pas tout le monde. Mais attends, Satan va te tuer sans la permission de Dieu. En ce moment, Jésus est mort en vain. Alléluia. Ayez la foi. Que vos ennemis aient peur. Ayez la foi. Que vos situations aient peur. C'est-à-dire que la pauvreté, la maladie aient peur. Et non toi. On dit tension, tension. C'est un nom. C'est pas un nom.
Alléluia. Diabète. N'aie pas peur. C'est lui qui doit avoir peur. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pas le temple du diabète ni des tensions. La mort d'un enfant de Dieu dépend de Dieu, non du diable. Ta vie dépend de Dieu et non du diable. Vous savez une chose que vous ne savez pas, que vous ignorez peut-être. Vous êtes dangereux. Pour le diable, vous êtes dangereux. J'étais dans la cour familiale et un de mes frères qui a rétrogradé, il avait un fétiche. Il est mort. Paix à son âme. Bon, c'est pas si paix à son âme a un effet. Il est décédé. Il avait un fétiche. Il ne croyait pas en Dieu. Mais un jour, je chantais dans sa chambre et puis j'ai touché les choses. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai touché son fétiche, que j'ai gâté son fétiche? Enfant de Dieu, parce que c'est que la puissance réside en nous. Tu salues un sorcier, il est mal. Alléluia. Quand il va au village, là, c'est la lumière qui est rentrée au village. Dans ton église, même s'il y a des mystiques qui sont 10, mon frère et ma soeur, ils vont venir expérimenter que Dieu est puissant. Ils vont mordre la poussière. S'ils ne donnent pas leur vie à Dieu, ils vont mourir simplement. Parce que votre Dieu est puissant et votre Dieu est capable. Combien de fois on n'a pas cru qu'on allait mal terminer? Combien de fois on n'a pas cru qu'on n'allait pas s'en sortir? Moi, je vois tous ceux qui sont ici, les jeunes qui sont là, les hommes, les adultes qui sont là. Dieu est avec chacun de vous tous. Et Dieu a un plan pour chacun de vous tous. Le diable est un menteur. Voici le prophète Omer, l'apôtre Paul. J'étais un jour assis chez lui. En ce moment, ils habitaient au BC. Il me rappelle de cette révélation. J'étais assis, je crois, devant la cour. Et puis, Dieu m'a donné la révélation de courbe. En ce moment, il se cherchait. Et la première courbe, elle était petite. Et il y avait une grande courbe. Je lui ai dit, le Seigneur me dit, tu iras dans un petit pays africain. Tu vas revenir. Et après, tu vas aller dans un grand pays européen. Et c'est là que tu vas réussir. Quelques temps après, le voici qui est là. Quand quelqu'un veut mentir, son témoin est loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, j'ai obtenu, comment dirais-je, un billet pour aller faire 3 mois au Burkina. Et quand on a fini au Burkina, on est revenu. Quelques temps après, j'ai eu encore un billet pour aller en France. Et là, c'était pour rester là-bas. Et c'est là-bas que tout s'est passé. Donc, je confirme, effectivement, je me souviens très bien comme si c'était hier. Et il m'a, tu as fait le schéma devant moi. Amen. Le schéma de ce matin, il fait déjà jour. Prophète, tu viens tout à l'heure. Hein. Parce que les grandes veilles, là, ce n'est pas les veilles où on s'en va à 5h du matin. Quand on fait veille, Kakou Severin, c'est 8h du matin. Hein. 8h. 8h. Quand tu sors de là, tu sais que ton avenir est clair. Veille, tu finis, puis tu es dans le noir, là, ton avenir est noir. La révélation que j'ai, c'est que tu seras un cadre international. Ça dit que je ne parlerai pas de politique, mais ça va ressembler à ça. Mais tu auras une influence sur le continent africain. Et puis, je vois un déblocage financier en termes de centaines de millions de dollars.
Je vois un déblocage. Je vois des fonds. Je vois un autre Omer. Et c'est pour peu de temps. Très peu de temps. Très peu de temps. Tu auras des comptes domiciliés dans des grands pays. Les gens t'ont peiné, t'ont accusé à tort sans te connaître la vraie version de cette histoire. Ils vont venir s'excuser. Dieu va t'élever. Je ne serais pas étonné que à la télévision, on dise ton nom avec un grand poste. Alléluia. Alléluia. Je vois le prophète qui est non. Quelque chose se prépare dans ton ministère. Quelque chose, lève-toi. Quelque chose se prépare dans ton ministère. Quelque chose de grand se prépare dans ton ministère. Il y a une personne qui est venue de Tiassalé. Et la personne est venue de Tiassalé. Et cette personne-là traîne un mal qui souvent lui fait perdre connaissance. Bah, c'est conscience. C'est ce que je vois. Dieu annule ce mal sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mokayanaba. Shekeda. Est-ce que la personne est là? N'aie pas honte. Une personne de Tiassalé. Enfin, ceux qui sont venus de avec ton équipe. Je vais prier pour toi. Ouais, viens, n'aie pas honte, viens. Lève la main. Désormais, si tu tombes, c'est sous l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Peu importe ton âge, l'onction habite dans ton corps. L'onction, surveillez-le, l'onction habite dans ton corps. L'onction est dans ton corps. L'onction est dans ton corps. L'Esprit de Dieu est dans ton corps. Lord, Mayana Sheki Daba Saka Labara Rashana Laba. Reçois sa faveur au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, puis t'asseoir. Prophète Tou, je vois comme un effacement. Quelque chose qu'on a effacé au tableau. C'est-à-dire que les peines, les douleurs, les préoccupations qui t'empêchent de dormir, c'est comme s'ils ont effacé. C'est-à-dire que je vois un tableau, je vois l'image d'un tableau qui a été effacé. Où est la prophétesse qui a prêché tout à l'heure là? Oh, dites-la de venir, j'ai un message pour elle. Ils ont effacé le Saint-Esprit. Il faut dire Saint-Esprit. L'a effacé. Donc, tu es très jeune. Aujourd'hui là, Alassane Ouattara ne savait pas qu'il serait président de la République. Il est président depuis combien d'années? Ça fait combien d'années il est là? Hein? Voilà, et puis il va continuer encore s'il veut. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Au Sénégal, Sonko, il sort de prison, il est premier ministre. Faye, il sort de prison, il est président. Il est même bizarre. Voilà, c'est le son qu'il cherche. Il dit, dites, comme un seul homme, dites à Tou, ça commence maintenant. Vous êtes jaloux ou quoi? Dites à Tou, le ministère commence maintenant. Je vois un contact. Un contact. Ça veut dire, dites contact. Je vois un contact. Ton histoire changera. Ah, prends.
apôtre Paul, dis-lui de prendre Bic et puis de noter la date. Un contact, ton histoire va changer. Et ta famille va en bénéficier. Il y a une personne qui est derrière, je ne suis pas prophète. Hein. Il y a une personne qui dit, prophète, donne ma révélation, je ne suis pas prophète. Depuis 1992-93, je suis évangéliste. Je demeure évangéliste. Alléluia. Et le mouvement Paix du Christ, c'est un mouvement de nous tous. Alléluia. Maman, viens maman. C'est un mouvement de tout le monde. Et Dieu veut que nous assemblons. Il faut s'aimer. S'aimer la bonne valeur. Il faut s'aimer l'évangile vrai. Nous sommes là tous sans ignorer des amis d'avant, parce qu'ils sont plus amis, qui ont livré leur âme au diable, aller prendre fétiche. Aujourd'hui, quand Aziz 47 parle des pasteurs, là, il sait pourquoi. Parce qu'ils s'en vont chez lui. Quand ils vont au Ghana prendre les fétiches, ils savent. Moi, je suis dans l'audiovisuel, c'est-à-dire que je suis dans la télévision. Un jour, au moment où j'étais directeur technique de Bein TV, il y a un pasteur qui est quitté au Nigeria et il m'a loué pour faire une retransmission en direct parce qu'il a une chaîne de télévision. Et comme j'étais l'un des experts ici en Côte d'Ivoire à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore expert au nom de Jésus. Il ne faut jamais te négliger. Hein? Sois le premier à t'aimer. Est-ce que vous comprenez ce qu'il parle là? Sois le premier à t'aimer, hein? Sois le premier à te valoriser. Il faut te donner la valeur de la considération. Ce n'est pas l'orgueil. Dis-toi que je suis le meilleur. Je suis le plus beau. Je suis le plus excellent. Je suis la plus belle. Je suis la plus intelligente. C'est ça que nous avons fait attention. Donc, je faisais la retransmission. J'étais assis à la régie. Premier jour, deuxième jour, troisième jour à la fin, je vois que des gens se sont enregistrés pour devenir prophète. Je n'ai rien compris. Le monsieur assis là-bas, il prend du pain, il met dans les bouches, il tape dans les ventes, il leur donne le micro, il dit prophétiser. Et puis, ils deviennent des, comme on le voit à la télé, des voyants. Ton numéro est le 08 32 44 55. Ta maman s'appelle tant, elle est bon en tant, 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 tant. Quand il finit, il dit assieds-toi, il donne le micro à l'autre. Il met pain, il tape son ventre, ainsi de suite. Il communique le feu étranger aux gens. Et c'est beaucoup, c'est répandu partout. Faites attention à ces gens de personnes. Éloignez-vous d'eux. Ouais, c'est la malédiction. Ils ont vendu leur âme au diable en faisant cela. Ils ont vendu leur âme au diable en faisant cela. Je vois comme si quelqu'un tentait de t'empoisonner par méchanceté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, hein. Et ce n'est pas les esprits de voyants là. Hein. Ce n'est pas les voyants là. Hein. Ils sont en train de parler. Mais ce que je voulais dire à la maman, pourquoi je la cherchais? Parce que Dieu a un grand ministère dans sa vie. Et ça n'a même pas encore commencé, au fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit là, c'est comme un œuf qui doit éclore, devenir poussin et puis grandir. Maman, regarde-moi. J'ai respecté. Beaucoup se... Je ne dis pas ça de façon truc, hein, mais beaucoup se moquent. Mais ceux-là, ils vont te respecter. Ils vont te respecter. Je ne sais pas combien d'âmes il y a dans ton église, mais un moment va venir. Quelque chose va se passer et il y aura une explosion, un boum. Ce n'est pas une explosion... gaz, machin. Mais un boum. Un boum. Un boum dans ton église. Un boum dans ton ministère. Un boum dans ta vie. Un boum. Un grand boum. Et tu ne feras même plus d'efforts. Les choses vont aller d'elles-mêmes. Ton bonjour va guérir malade. Que Dieu te bénisse, maman. Ça, c'est la révélation que Dieu me montre pour toi. Alléluia. Il y a un qui dit encore, hey, prophète, je ne suis pas prophète, c'est évangéliste. Dis pour moi, maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu est avec toi.
Alléluia. Hey! Apôtre, prophète, viens. Prophète qui est non. J'aime quand on fait veille et puis la lumière tombe sur nous, puis personne ne dort. Alléluia. Alléluia. Christelle, lève-toi. Prisca, lève-toi. Aïe, 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 il a dit Christelle. Christelle, pourtant elle s'appelle Prisca. Mais pourquoi il a dit Christelle? Quel rapport a-t-il entre Christelle et Prisca? Alléluia. Quelque chose va te passer. Dieu change ton nom. Vous voyez, quand Dieu veut changer l'histoire d'une personne, Dieu change son nom. Abraham est devenu Abraham. Jacob est devenu Alléluia. Kwaku Tidje Gona Sommet est devenu apôtre Paul. Alléluia. Dieu change ton nom. Amen. Et mets un nom spécial sur ta vie. Christelle, le Christ est en toi. Mets le nom de Christ en toi. Donne-toi ce surnom. Que ce soit dans les films, que ce soit dans tes rôles, donne-toi ce nom de Christelle. Donne-toi ce nom de Christelle. Mets le Christ en toi. Vous voyez comment est-ce qu'elle est? C'est une très belle femme. Alléluia. C'est une très belle femme. Et l'ennemi veut la détruire. Si elle vous explique son histoire, vous n'allez pas croire. Si elle est debout, si elle est là aujourd'hui, quoi, c'est par la grâce de Dieu. Sinon, c'est des gens qui sont faits, vous allez se suicider à longtemps. Parce qu'une femme telle qu'elle est, elle est la personne qu'elle a côtoyée. Mais l'adversaire veut uniquement, forcément, que elle, Christelle, l'adore. Alors qu'elle, elle est destinée à adorer Christ. Donc Prisca devient Christelle. Alléluia. Alléluia, hey! Alléluia, hey! Je vois une jeune fille, une toute jeune fille simple, innocente, qui ne ressemble à rien. Mais je la vois dans 3 ans. Cette jeune fille va sortir sa famille de la galère totale. Je sais pas, c'est une jeune fille innocente qui ne ressemble à rien. Je n'ai pas de désigné. Hein. Mais dans 3 ans, tu sortiras ta famille de la galère. Accroche-toi au Seigneur toujours. Accroche-toi au Seigneur toujours. Accroche-toi au Seigneur toujours. Frère, viens, lève-toi. J'ai un message pour toi. Homme de Dieu, viens, viens, viens. Viens, 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 lève-toi. Après, donne le micro au prophète. Il va clore. Tu commences à être inspiré maintenant. Alléluia, hé! Alléluia! 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 Frère, prophète. Ouais, il connaît ton nom. Prophète. Je vois un terrain. Je vois un terrain que tu as déjà. Tu as déjà un terrain, non? Hein? Tu as un terrain. Mais sur ce terrain, je vois quelque chose. Quelque chose qui est en train de germer. Quelque chose qui est en train de pousser. Et qui devient un grand arbre. Dinga, comment c'est blablabla? Oh, soyez dedans.
trois jours de jeûne sec, sans boire, sans manger. C'était notre nourriture. Hein? Trois jours de jeûne sec, sans boire, sans manger. Pardon? Voilà. Tu commences un lundi, après le culte, hein, c'est-à-dire lundi, tu commences, sans boire, sans manger. Et pendant ces trois jours-là, tu vois personne, c'est-à-dire que tu t'éloignes. Tu portes le même habit. Tu t'éloignes, tu ne te laves même pas, c'est-à-dire que tu t'éloignes de tout le monde. Si possible, tu t'enfermes, tu ne changes pas d'habit. Tu ne fais que prier trois jours et sors. J'ai dit, ton ministère, apôtre Dialambert, ton fils, hein, son ministère sera un ministère, tu entends parler, c'est un ministère de miracles. De miracles et de miracles et de miracles. Tellement que tu le feras, les avons dit non que tu allais prendre fétiche. Un ministère. Viens qu'il touche la main. Le Seigneur m'a dit de ne pas trop toucher les gens, mais il faut que tu touches. Depuis moi, je n'impose pas les mains. Donne-moi ta main. Un ministère de miracles. De miracles. De miracles. De miracles. De miracles. L'eau mara. Miracle, et c'est ça. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains maintenant. Tu as reçu. Va t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Accroche-toi au sacerdoce. Accroche-toi au sacerdoce. Vous savez, il y a des petits pièges, mais accroche-toi. Il y a des difficultés, mais accroche-toi. Il y a des épreuves, mais accroche-toi. Hein? On veut les choses souvent très vite, mais accroche-toi. Hein? Dieu a son temps. Les hommes ont leur temps. Marche avec le temps de Dieu. Marche avec le temps de Dieu. Toi aussi, tu fais partie de l'armée de Dieu. Mais la parole qu'il me donne pour toi, c'est marche avec son temps. Car il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est le message qu'il me donne pour toi. Hein. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et... Allons dire merci au Seigneur. Avant de donner le micro au prophète, clore tout ce moment. Il sent un dépôt en lui. Nous allons dire merci au Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur. La karabashana lama. Lori mashana la baraba. Lokina shana la kida sana la baraba. Il y a une femme qui est là quand tu vas aller à la maison et que tu vas aller aux toilettes, quelque chose va descendre. Et c'est quelque chose qui descend là. Te fatiguer depuis très longtemps. N'oublie pas de rendre témoignage après. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Dieu te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.